Un calme très tendu au Togo, 3 jours après la tentative de coup d'État. Vous allez voir les toutes premières images de Lomé, la capitale. Les images que viennent de nous faire parvenir nos envoyés spéciaux Daniel Lecomte et Jean-Jacques Le Garec. Les quelques 200 parafrançais sont très présents dans les rues de la capitale. La France qui a également envoyé sur place ses jaguars qui ont fait plusieurs passages aujourd'hui au-dessus de Lomé. J'ajoute que plusieurs des auteurs de la tentative de coup d'État ont été identifiés comme étant bien togolais. Ils auraient cependant été entraînés au Ghana, c'est-à-dire le pays voisin, le pays qui est à la frontière du Togo. Les toutes premières images donc que nous recevons de la capitale Lomé qui viennent de nous être envoyées par nos envoyés spéciaux. On y voit donc les soldats français. Il y en a environ 200 à l'heure actuelle qui sont donc arrivés au Togo.